بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: Man u'atiya fa shakar, wa butuliya fa sabar, wa zulima fa ghafar, wa zalama fa staghfar, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité quatre caractéristiques. Celui qui les applique, alors dans l'au-delà, il sera en sécurité. Ça veut dire, il ne craindra pas un châtiment dans l'au-delà. وَهُمْ مُهْتَدُونَ, c'est-à-dire que ces gens-là, ils sont bien guidés. Ils ont suivi la voie du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et le chemin qui mène au paradis. مَنْ أُعْطِيَ فَشَكَرَ, ça veut dire celui qui a reçu un bienfait et qui est reconnaissant pour le bienfait. يَشْكُرَ, ça veut dire, il remercie Allah, subhanahu wa ta'ala, pour les bienfaits qu'Allah ta'ala lui a accordés. Et ash-shukru shukran, et savants ont dit le remerciement il est de deux sortes, ash-shukru al-wajib wa ash-shukru al-mandub. Il y a le remerciement qui est obligatoire et il y a le remerciement qui est sunnah, qui est surérogatoire, mandub. Ash-shukru al-wajib, le remerciement obligatoire, ça consiste à ne pas utiliser les bienfaits qu'Allah nous a accordés dans la désobéissance à Allah. Allah ta'ala, il nous a donné des mains, on les utilise pas dans le haram. Il nous a donné des yeux, on ne les utilise pas dans le haram. Il nous a donné un ventre, on ne mange pas, on ne consomme pas ce qui est haram. Et ainsi de suite. Et il nous a ordonné de faire des choses avec nos mains, avec notre corps. Comme salat par exemple, siyam, etc. Le jeûne de Ramadan, les cinq prières quotidiennes. C'est ça le remerciement qui est obligatoire et que chaque musulman responsable doit appliquer. Et le remerciement sunnah, c'est le fait de faire plus que cela, des choses qu'Allah agrée, mais qui ne sont pas obligatoires. Comme par exemple le zikr, celui qui dit « Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar », etc. Kul hadha, toutes ces choses-là font partie du shukr mandoub, et ça élève la personne en degré. Parce que la première étape pour atteindre les hauts degrés, après la foi en Allah et en son messager, l'iman billahi wa rasoul, c'est la piété. La piété, c'est quoi ? C'est ash-shukru al-wajib, c'est le remerciement obligatoire, c'est-à-dire accomplir ce qu'Allah t'a ordonné et éviter ce qu'Allah t'a interdit. Et l'étape suivante, c'est quand tu ajoutes au shukru al-wajib, au remerciement obligatoire, le remerciement surérogatoire. Et ça fait atteindre le degré de l'wilaya, la sainteté. Le wali, le salih, c'est celui qui non seulement il a atteint la piété, ça veut dire qu'il a fait les devoirs, il a évité le haram, les péchés, et en plus, il a multiplié les actes surérogatoires. Pas forcément tous les jours, il fait beaucoup, 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 beaucoup de sunnah. Mais même une sunnah, il fait de manière régulière, de manière récurrente. Ça veut dire, il n'arrête pas la sunnah, mais il la fait tous les jours régulièrement. Comme on appelle cela le wird. Un wird, c'est quand tu fais une sunnah, et tu la fais régulièrement, toujours. Salat al-layl, par exemple, les prières de nuit. Ce qu'on appelle la tahajjud, c'est-à-dire la prière, après avoir fait l'isha et après avoir dormi, tu te réveilles dans la nuit pour faire des prières. C'est ça qu'on appelle salat al-tahajjud, même si tu fais deux rak'a. Même si tu fais deux rak'a, chaque nuit. Ou bien ceux qui font siyam, sunnah, par exemple, tous les lundis, par exemple, tous les lundis, et tous les jeudis, il va jeûner. Mais il va faire ça de manière régulière. Et il y a ceux qui font aussi al-wird bi-dhikr. Ça veut dire le zikr. Il va faire tous les matins, tous les soirs, par exemple. Il va faire un zikr et il va le faire de manière régulière. Donc ça, c'est al-shukr.
Man u'tiya fa shakar. Allah il nous a accordé des bienfaits qu'on peut même pas dénombrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Allah ta'ala, il dit dans le Coran, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ça veut dire tous les bienfaits que vous avez, c'est par la grâce d'Allah, c'est Allah qui nous les a donnés. Tout ce qu'on a, c'est Allah ta'ala qui nous l'a donné, donc on remercie Allah bishukr, al wajib wal mandub, par le remerciement obligatoire et sunnah. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wabtuliya fa sabr. Ça veut dire que la personne, elle subit des épreuves, ou tasbar, ça veut dire elle fait preuve de patience pour les épreuves. Et as-sabr, en réalité, il est de trois sortes. Il y a trois catégories de patience. Il y a as-sabr 'ala al-wajibat, was-sabr 'ala al-muharramat, was-sabr 'ala al-bala. Il y a la patience concernant les obligations, dans le fait de persévérer à les accomplir, ça nécessite de la patience. Il y a la patience contre le haram, le fait de patienter en évitant de tomber dans le haram, même si on est attiré par le haram. Et ça, c'est la plus difficile des sortes de patience. C'est pour ça que les savants, ils ont dit tarku ma'siya wahida afdalu min alf hasana. Le fait de faire, de délaisser un péché, c'est meilleur que accomplir 1000 bonnes actions. Parce que c'est dur pour la nafs d'éviter un péché que la nafs elle veut. Inna nafsa la ammaratun bisu. La nafs, pour la plupart des gens, elle tend et elle entraîne la personne, elle amène la personne vers le mal, vers le haram et la fitna. Donc celui qui fait preuve de patience, il doit faire preuve de patience dans les trois catégories. Et ça fait partie des devoirs du cœur. Mais la catégorie que le prophète a citée dans le hadith, وَبْتُولِيَ فَصَبَرْ, c'est la catégorie des épreuves. Et c'est quoi patienter face à l'épreuve? Ça veut dire que tu tombes malade, ou bien que tu subisses des injustices de la part des autres. يَظْلِمُونَكَ, ils sont injustes envers toi. Ou bien tu as des épreuves, la tristesse, la mélancolie, ça c'est une épreuve. Le fait d'être triste, même tu sais pas pourquoi. Mata'arafsh, alash, t'es triste. Tu sais pas pourquoi, c'est une épreuve. Et le mu'min, il a des hasanat en patientant face à l'épreuve. C'est quoi ici le sabr? Ça veut dire de pas tomber dans le haram, de pas désobéir à Allah parce que tu as subi une épreuve. Wahad yakun faqir, il va pas voler parce qu'il est devenu pauvre. Il est tombé dans la pauvreté, il va pas voler. Il a subi une injustice, il va pas lui-même commettre une injustice. Il y a des gens, parce qu'on a insulté quelqu'un de leur famille, lui va répondre, il va insulter quelqu'un de sa famille. Il n'a pas le droit. Parce que la personne de la famille de l'autre, elle lui a rien fait. Donc il n'a pas le droit de l'insulter. Il y a des gens, ils subissent une injustice, ils vont eux-mêmes commettre une injustice. Le musulman vertueux, il patiente face à l'épreuve. Et ceux qui patientaient le plus, c'était les prophètes, alayhim as-salatu was-salam. النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. Ça veut dire les plus éprouvés des gens, ce sont les prophètes, puis ceux qui sont en dessous dans le degré, puis ceux qui sont en dessous dans le degré. يبتلى المرء على حسب دينه. La personne, elle est éprouvée en fonction de sa religion. Donc plus la personne elle œuvre dans le bien, et plus elle va subir des épreuves, et c'est un signe de bien que la personne ne s'étale pas en disant oh, سبحان الله, depuis que j'ai... Qu'elles disent pas, oui, moi, depuis que j'ai commencé la prière, maintenant il m'arrive que des galères ou là il m'arrive que des problèmes. Au contraire, la personne, si elle a subi des épreuves suite à l'accomplissement de la prière, c'est un signe de bien, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mayuridillahu bihi khayran yusib minhu. Ça veut dire celui pour qui Allah veut du bien, il l'éprouve, il fait qu'il soit touché par les épreuves. La troisième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans le hadith qu'on a dit au début, وَظُلِمَ فَغَفَرَ. Ça veut dire il a subi une injustice mais il a pardonné. Et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens délaissent depuis longtemps et que beaucoup de gens délaissent encore plus à notre époque. Quand quelqu'un a subi une injustice, il veut rendre encore plus. Il veut se venger mais en décuplant la douleur. Et la façon dont il a subi l'injustice, il la multiplie minimum par 4. Et ça, c'est pas le comportement du bon musulman. Parce que le musulman vertueux, quand il subit une injustice, il répond au mal par le bien. Et c'est comme ça que faisait, par exemple, Zainul Abidin, radiyallahu anhu, qui était le fils de Al-Hussein. Il s'appelle Ali ibn Al-Hussein, ibn Ali, ibn Abi Talib, radiyallahu anhum, ajma'in. Zainul Abidin, une fois quelqu'un l'a insulté,
Et lui, il lui a pas répondu. Donc il répond pas au mal par le mal. Skat, il a rien dit. L'autre, il a insulté encore. Il a rien dit. Il a insulté. À la fin, l'autre, tellement il l'a insulté. Il n'en pouvait plus. Il lui a dit, mais c'est à toi que je parle. Iyaka a'ni. C'est à toi que je parle. Il a dit, wa anka urdi. Et c'est à toi que je ne réponds pas de la même manière. Je ne réponds pas comme tu m'as fait. Et en plus de cela, Zainul Abidin, radiallahu anhu, il lui a offert de l'or. Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre, qu'un, il a pleuré et il s'est repenti. Il a regretté son acte. Et les vertueux, beaucoup, ils ont fait ça. Une fois, il y a un des salihin, quelqu'un, il l'a insulté, et lui, il lui a fait des doigts. L'autre, il lui a dit, moi, je t'insulte, et toi, tu me fais des doigts en sa faveur, pas des doigts contre lui. Da'ala! C'est-à-dire, il a fait des doigts, bah, Allah yubarak fik, etc. Il lui a dit, mais pourquoi toi, tu m'insultes, tu me fais des doigts alors que moi, je t'ai insulté? Il lui a dit, t'as été une cause de bien pour moi. Parce que si tu m'as insulté, moi, j'ai subi une injustice. Ça veut dire, je gagne des hasanat par cela. T'as été une cause de bien pour moi, alors je vais être une cause de bien pour toi, et moi je te fais des doigts. Donc, wa zulima fa ghafar, ça c'est une marque, c'est un des signes des gens vertueux. Que le wahed, yisbur, ou ya'fou, ou yirham, ou il ne répond pas au mal par le mal, mais il répond au mal par le bien. Quatrième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa zalama fa staghfar. C'est-à-dire, et si lui, il a été injuste envers les gens, alors, il va demander pardon. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des gens aujourd'hui délaissent. Même si la personne au fond de lui, il sait qu'il a eu tort. Za'af, za'ma, il était en colère. Il a dit des paroles blessantes. Il a fait du mal. Après, quand il se calme, il se dit, je lui ai fait du mal. Mais yahshem, il a honte d'aller lui dire pardon. Samihni. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut délaisser. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait l'éloge de celui qui va demander pardon, au point que les vertueux, parfois même s'ils n'ont pas fait de mal, ils ont peur d'avoir fait du mal, alors ils demandent pardon. Il y avait un des vertueux, une fois, il a parlé à son élève, c'était un savant, il a parlé à son élève, il lui a dit, je t'ai causé du tort, pardonne-moi. Son élève lui a dit, non, cher, tu m'as rien fait. Il a dit, si, si, dis-moi, je te pardonne. Il lui a dit, mais cher, tu m'as rien fait. Il lui a dit, si, 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 je suis sûr, je t'ai fait quelque chose. Dis-moi, je te pardonne. Il lui a dit, mais cher, j'ai rien fait. Tellement il a insisté, il a dit, bon, si tu m'as fait quelque chose, alors je te pardonne. Mais pour lui, pour l'élève, son cheikh ne lui avait causé aucun tort. Mais tellement les vertueux, ils ont peur qu'au jour dernier, ils viennent avec des choses sur leurs épaules, c'est-à-dire des awzar, des péchés, des torts qu'ils ont commis à autrui, alors ils se précipitent à demander pardon parce qu'ils craignent d'avoir fait quelque chose de mal. Mais on est à une époque où il y a beaucoup de gens, ils font du mal de manière assurée 100%, mais ils vont pas demander pardon et ils attendent que le temps passe. Non, il convient que la personne, elle demande pardon, même si le tort a été fait des deux côtés. Le meilleur, c'est celui qui est le premier à faire ce pas-là. Même deux musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils sont dans le péché si ils rompent les relations entre eux sans une excuse valable dans la religion. Au bout de plus de trois jours, s'il ne se passe pas le salam, alors ils sont dans le haram. Parce qu'ils ont rompu le lien, ils se croisent et ils s'ignorent. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que le meilleur des deux, c'est qui? C'est celui qui passe le salam en premier. Donc, ce que l'islam enseigne, c'est que lorsqu'il y a un litige entre deux croyants, entre deux musulmans, il convient que chacun des deux se précipite pour demander pardon et pour pardonner. Man u'tiya fa shakar, celui qui a reçu des bienfaits et qui remercie et qui est reconnaissant pour les bienfaits qu'il a reçus. Deuxièmement, wabtuliya fa sabar, il a reçu des épreuves, il a subi des épreuves, il a patienté, il n'est pas tombé dans le haram à cause des épreuves. Il n'a pas arrêté la prière parce qu'il va à l'hôpital, par exemple. Clairement, il est malade, alors il arrête la prière. Non, il est éprouvé, il continue à adorer Allah. Wabtuliya fa ghafar, troisièmement, il a subi une injustice et il pardonne à l'injuste. Wabtuliya fa staghfar, et si lui, il a été injuste, alors il va demander pardon. Ces gens-là, dans l'au-delà, ils seront en sécurité. Ils ne seront pas châtiés. Ils ne seront pas sous la chaleur du soleil. Et ces gens-là, ce sont les bien guidés. Sadaqa Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اغفر لنا ذنوبنا
وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح لنا أمورنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أمور شعب وهران. آمين. اللهم احفظهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا عافيته وشفيته. اللهم سامحنا وتب علينا يا رب العالمين. اللهم اشف الحاج والحاجة. آمين آمين آمين. بارك الله فيكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.